Bonjour, c'est Lorraine. Bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que tu vois une vidéo. Je me présente Lorraine. Alors, j'adore les cartes, les oracles, les tarots, tirer les cartes pour un instant T, comprendre une problématique, travailler sur soi-même. Et le but, c'est toujours de s'éveiller un petit peu, d'aller toujours plus loin, plus haut, plus fort pour être la meilleure version de soi-même, que ce soit dans tous les domaines personnels, professionnels et de l'amour. N'hésite pas à liker et à partager les vidéos et bien sûr à t'abonner sur la chaîne si ça te plaît et à actionner la petite clochette bah, pour recevoir tous les jours une guidance, la présentation d'un oracle et plein plein de petites surprises parce que j'ai beaucoup beaucoup d'idées et je suis très heureuse de partager tout ça avec toi, avec vous, avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est la présentation d'un oracle que beaucoup connaissent déjà, mais si tu ne le connais pas, il est vraiment très mignon, mais parfois il peut être très réel, très réaliste hein, et dire des choses aussi. C'est l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de relations amoureuses. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis le petit bisou, la bague, et puis des petites pierres, et bien sûr, les anges de l'amour. Et oui. Alors, voici le coffret. Hop, avec un livret. Avec, il me semble, donc des explications sur les anges. Qui sont ces anges en charge de nous aider dans nos relations sentimentales? Voilà, par exemple, on nous parle d'archange, de l'archange Michael, Jophiel, Chamuel, Raphaël, Raguel, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique? Alors, comment mélanger les cartes, comment les préparer et commencer à faire notre tirage? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Le tirage à une carte, à trois cartes et un tirage à jeux multiples, c'est-à-dire en fait on mélange les oracles et on demande plus de précision concernant l'amour avec les anges de l'amour. Voilà. Ensuite, vous avez la signification donc de la carte, donc en noir et blanc. Le titre, alors c'est classé, il me semble, par ordre alphabétique. Voilà le titre de la carte. Et puis donc une petite explication pour bien nous expliquer ce que signifie cette carte et ce que les anges conseillent de faire ou voilà, quel est le message des anges de l'amour. Parce que vous y croyez ou non, eh bien sachez qu'il y a des anges pour tout. Il y a des anges pour l'amour, qui sont là pour aider à trouver la bonne personne, à travailler sur nous, voilà, à s'aimer nous-mêmes, à aimer les autres. Voilà. Donc ils sont là et ils nous aident. Allez, on va voir les cartes. Donc voici le dos des cartes. Donc on voit un couple amoureux qui s'embrasse. Donc, de couleur rose, avec donc une bordure dorée. Très sympa. Facile à mélanger. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Oui, alors peut-être pour certains, il est un petit peu cucu, un petit peu gna-gna, mais nous, les filles, bah, des fois, on aime bien ce côté-là. Alors, on y va pour les cartes. Alors, bon, on va faire comme ça. Ouais, on va les présenter comme ça. Donc, il y a un mot-clé donc au-dessus, une illustration, souvent tirée de grands tableaux célèbres, romantiques, voilà. Et puis, une petite phrase, une petite citation, quelque chose pour aider la guidance. Confiance, espièglerie, attraction. Lâcher prise.
lune de miel, amour non réciproque, séparation. Tous les thèmes de l'amour et des relations sont abordés dans ce jeu. Passion, cela vaut la peine d'attendre. Âme sœur, traiter les problèmes familiaux. Mariage, finances et carrière, très bientôt, nouvel amour, exprimez votre amour, flirt, attirez votre âme sœur, vous méritez l'amour, bien sûr, codépendance, c'est certainement lui ou elle, bien sûr. Si vous êtes un homme ou une femme, hein, donc on inverse les rôles. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Aimez-vous d'abord. Pardonnez et apprendre. Libérez-vous. Gardez l'esprit ouvert. Tromperie ou le fait de porter des masques. Enfin, laissez partir votre ex. Engagement. Un contrat. Chimie. Laissez vos amis vous aider. Réconciliation. Faites un effort. Relation karmique. Sentiment romantique. Amour véritable. Apprenez à vous connaître mutuellement. Conversation cœur à cœur. Facteur religieux, isolement, laissez une chance à votre relation, attention au drapeau rouge, et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, toi qui regardes cette vidéo là tout de suite, eh bien, je te propose de tirer une carte. Allez, quel est le message des anges de l'amour pour toi qui regardes cette vidéo ? Je coupe. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, je ne connais pas ta situation, que tu sois seul ou accompagné, que tu sois un homme, une femme, dans une relation, qui est engagée ou pas. Peu importe, dans tous les cas, on te demande d'avoir confiance. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit livret dans cette situation? Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire en que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Voilà, c'était l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'espère qu'il t'a parlé, qu'il t'a plu. Je te dis à très bientôt pour un tirage en live, pour une lecture d'un passage de mon roman. Et pour une présentation de notre oracle ou de tarot. Je t'embrasse, c'était Lorraine.